Bonsoir à tous. Ce soir, on va tester ensemble Prevx 3.0 avec Cept OneLine. Alors, Prevx, c'est un antivirus que certains connaissent. Malheureusement, non, en temps normal, il est très brisé. Il y avait une promotion que j'ai trouvée il y a un instant pour les gens qui ont Facebook. Il est possible d'avoir Prevx avec le Safe Online. Donc le Safe Online, en fait, c'est une protection web qui va en fait vous bloquer les exploits, les phishing, etc. Oui, le gars n'aime pas les poissons. Voilà. Donc moi, bah, j'ai Facebook, hein. je l'ai téléchargé. Donc voilà. Alors, on va faire un tour autour du produit, hein. Voilà. Le truc qu'il y a. Donc la protection en temps réel, bien sûr, il y en a une. Mais bon, il veut quand même une licence, mais il y en a une. Pardon, donc voilà. Analyse et détection, c'est configuré, donc l'analyse. Donc on va configurer. Donc voilà, on configure après. Élimination de logiciel malveillant, bien sûr, il ne supprimera pas. Mais il les détecte, il les bloque. Surveillance des infections on dominera la suite, configuré. Protection en temps réel désactivée, mais il y en a une. Il y en a une, c'est ça en fait. Et sécurité du navigateur avec cette OneLine. Yeah. Les paramètres, alors configuration de base. Activer la détection améliorée des rootkits. Donc les rootkits, c'est les petits logiciels qui se cachent et qui s'installent dans la mort du disque dur. Hein. Télécharger et appliquer automatiquement les mises à jour du logiciel, je précise. Faire un raccourci sur le bureau. Ouais, c'est inutile ici. Activer l'analyse par clic de droite. Clic de droite, hier. Yeah. La drôle de traduction. Normalement, clic droit, ça serait mieux. Hein. Clic de droite, lol. Dans l'explorateur Windows, cool. Afficher une icône de la barre d'état système. C'est ça. Hein. Activer la page de garde de démarrage. Option de configuration de la protection par. Et on devine la suite. Il n'y a pas de bouton afficher la suite? Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Se souvenir des mesures à l'égard des fichiers détectés. Cool. Activer l'analyse de temps réel du MBR, donc le Master Book Recording. Pour les gens qui ne schmink pas English, c'est la mort du disque dur. Certains rootkits, comme par exemple TDLK, TDSS ou même Zero Access, aiment bien s'installer dedans. Il y a même le petit cheval que pas mal de gens connaissent qui s'appelle Cinewall. Il s'installe dedans et en fait il fait bien des problèmes. Voilà, pour être poli. Afficher l'écran, pardon, auto-authentification des fichiers. Donc, fichier d'analyse. Donc on a un petit bleu en disant oui, je t'analyse, qu'est-ce que ça dit ça? Supprimer et bloquer, bien sûr. Hein. Voilà. Planificateur, ouais, on s'en fiche. Priorité détection. D'accord. Prevx Safe Online. Voilà. Donc, lui, il fait tout. Il protège tout. Donc, les sites par défaut, etc. Maximal. Assure une protection maximale des données de l'utilisateur, mais bloque certains utilitaires d'accessibilité. Bloquer les sites d'hameçonnage et les sites malveillants. Bloquer les cookies, donc les gâteaux. Hein. Détecter et empêcher les attaques de type homme du M et truc. Voilà. Protéger contre les keyloggers. Donc, les keyloggers, c'est des enregistreurs de frappe qui vont en fait enregistrer toutes les saisies du clavier. C'est vraiment ballot si vous tapez des numéros très privés, par exemple des numéros de carte bancaire ou voir des mots de passe. Protéger les données confidentielles du presse-papier. Protéger contre les attaques de capture d'URL. Les fameux screen loggers qui prennent des captures d'écran. Isoler les compléments du navigateur non approuvé de blablabla. Bloquer tentative de modification des processus de blablabla. Protéger contre les attaques de capture d'écran. C'est pareil à peu près. Et bloquer les accès malveillants aux fenêtres de navigateur. Voilà. Donc il fait tout. Cool. Paramètres de proxy, si vous avez un. L'autoprotection maximale. Ce niveau est recommandé pour une utilisation maximale des processeurs de Prevx. Et vivement conseillé si vous pensez que votre système est infecté. Il va y aller dans pas longtemps. Hein. Voilà. Réglage heuristique.
Aristique avancé, moyen. Donne pas de détails, le gars. Là, par contre, oui. Aristique d'âge du programme, faible. Recommande uniquement avertir des programmes qui ont été créés ou modifiés très récemment. Recommandé. C'est recommandé par la team de Prévix. J'augmente. Avertir des programmes relativement récents et non approuvés de façon à éviter les attaques du jour J et d'heure H. Lol. Moi, je vais mettre sur recommandé parce que je suis un utilisateur lambda et qui a pas envie de tout toucher. Voilà, je m'en connais rien en sécurité informatique. Donc voilà, j'achète un antivirus parce que voilà, parce qu'il en faut un. Voilà. Heuristique du propriété du programme. Faible. Uniquement avertir des programmes qui n'ont pas été vus pour la première fois que récemment. Recommandé. J'ai oublié de vous dire que dans mes vidéos, il y aura une nouveauté. En effet, au début, il y aura déjà une introduction. Parce que mon ami virtuel, que je salue au passage, m'en a fait un. Avec une petite musique, c'est Apogardine Nirvana. Waking of Déjà Vu. Donc voilà, c'est une musique qui est cool. Je vais faire un coucou aussi au forum Nymphomars avec ses joyeux lorions. Un coucou aussi au forum FEI, donc avec 2011 N2, Betty Sims, pardon, etc. Et après tous les membres qui vont se reconnaître. Un coucou aussi au forum de Pegor, donc avec Apollyon, Sacha, Pegors, etc. Et Roberto, j'oublie pas, hein. Un coucou à mon forum, au forum TKBuse et le serveur. Voilà. Et un coucou à Darkness et à Bandou, qui me suivent beaucoup quand je fais mes tests. Voilà. Donc ici, il y a des petits outils. Donc, enregistrer les résultats. Donc, c'est le rapport. Hein. Annuler le nettoyage. Oui, ça c'est classe. Hein. Interrompre la protection, ça c'est pas bien aussi. C'est pareil que ça. Analyse avancée. Choisissez les fichiers dossiers analysés. Bon, il n'y a rien dedans. Hein. Nettoyage automatique de fichiers. Supprimer les fichiers malveillants détectés par machin. D'accord, donc c'est pour faire le nettoyage à la soi-même et mettre à niveau. Ici, la licence. Voilà. J'ai installé la mienne. Hein. Plutôt, elle était déjà installée. Donc voilà. Hein. Mais ça, c'est juste. Voilà. Bon, parce que c'est classe. Les mises à jour. Ils annulent actuellement la version la plus récente du logiciel Previx. Donc d'accord, donc je pense qu'ils vont me protéger par le cloud, si je crois. Bien sûr, je coupe la solo ici. Sinon, je vais avoir des bugs de son. Donc voilà, logiciel super simple. Alors maintenant, ce qu'il vaut. Si je fais clic droit, j'ai analysé mon PC. Je vous remarque aussi, quand vous installez la première fois, il vous force hein, à faire un scan de votre ordinateur, qui est quand même assez rapide. Enfin, chez moi. Configurer et arrêter la. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Hein. On va voir déjà des consommations. Mémoire RAM, donc il n'y a que deux modules. Il y en a un qui fait 12 mégas et un qui fait 5. Voilà, c'est du super léger. C'est vraiment super léger, ça fait près 20 mégas. Enfin, j'ai pas compté. Ça prend à peu près entre 19 et 20 mégas. De l'œil. Après, ça va vous faire le calcul, ça vous fera des jambes. Voilà. Bon, bah, démarrage d'Internet Explorer pour la première fois. Donc, on y va. C'est parti, on va y aller gaiement. Donc là, vous avez peut-être remarqué ça. Qui est le Safe Online de Plevix. Voilà. IP non vérifié. Google.fr. Ajouter une protection. LOL. On peut configurer ou fermer le truc. Hyperviseur détecté. Il se peut que le navigateur soit surveillé. Bah, c'est cool s'il est surveillé. Mais attends, parce que je vais mettre des virus toi après. Plutôt maintenant. Avant juste que mon petit Chrome veut bien répondre. Il rame toujours celui-là. Décidément. Allez, on y va gaiement, parce que voilà, on se fait pas de bill. Hein. Non, on se fait pas de bill aujourd'hui. Hein. C'est jeudi en plus. Allez, on y va. Première URL, exploitation de faille, parce que c'est classe. Ah, l'exploitation de faille qui fonctionne pas. Ouais, le mec aussi, celui-là, il se fait pas de bill. Hein. Suivant, je ne sais pas ce que c'est, je vais regarder tout de suite. Ah d'accord, bon, allez, plus loin encore. Je croyais que c'était un Troyen. Mais non, c'est un exploit. Bon bah l'exploitation qui fonctionne pas. Bon, l'autre pour toi. Allez.
Prochaine URL, c'est un rogue. Pas cavé. Si vous savez pas ce que c'est un rogue, jetez un petit coup d'œil sur mon test de guerre, qui est Climbin, qui a fait un super fiasco de la mort. Bon bah là il fonctionne pas. Décidément les URL sont tous mortes. Enfin, il n'y en a pas beaucoup d'aujourd'hui, dis donc. Troyen, qui vient d'une adresse IP. D'accord, ça fonctionne plus. Bon, il n'y a pas beaucoup d'URL aujourd'hui. Donc, je passe directement au deuxième. Bon, là, sur le deuxième, il y a des super virus de la mort qui tuent. Donc, Prévix, c'est intéressant de rester. Donc, je vous préviens aussi, s'il y a des enfants à côté de vous, je vous conseille de fermer les yeux. Voilà. Pas reconnu. On va faire ça. Voilà, premier truc passé. Premier truc passé. Prévix n'a pas réagi. Les infections ont été détectées. Donc là, il est connu. Par contre, si je veux supprimer. D'accord, donc en fait, là, il va analyser mon ordinateur. Ouais, mais j'ai pas envie. Tu veux pas me supprimer cache? Non, pas envie, non, je sais pas. C'est un peu dur comme ça, hein. Bah lui, il me dit que c'est bon. Le truc est là. Bon bah d'accord. Ça commence mal. Il me dit qu'il a détruit le virus, mais sauf que le virus, il est encore là. Cherchez l'erreur. Ça, c'est pas normal. Bon bah suivant QRL. Allez, on l'exécute. Pas reconnu. Prévix qui alerte. Bon bah là, je crois que c'est mal barré. Info Explorer, cool. Donc là, je crois que le cheval de Troie exploite un Explorer. Les infections ont été détectées. Bon bah ouais, mais si tu supprimerais les menaces, ça serait mieux, hein. Il les détecte, voilà, il a détecté Fraudulent, qui est un rogue. Security Program. Par contre, si je fais ça, ils vont me demander de scanner. On scannera à la fin, hein, mais pas maintenant. Moi, ce que je voudrais, moi, c'est qu'ils suppriment la menace directement, en fait. Comme un antivirus qui se respecte. Pas qui oui, je te trouve un truc, mais tu te débrouilles, moi, tu vas scanner tout de suite, hein. Ça, c'est pas très bien. Voilà. Allez, l'autre, je crois que c'était un rogue. Je crois que c'est un rogue plutôt. Ça me dit quelque chose parce que c'était le fichier que j'avais rentré hier avec Clambin et Clam Sentinel. Donc là, Prévix, c'est pas content. Ont été détectés. Ouais, donc en fait, il le voit, hein. Il le voit bien. Il voit bien le truc, mais sauf, genre, une fois dans les options pour voir est-ce que je peux supprimer. Là, par contre, il bloque un peu. Bon, je vais voir dans les options. Et donc là, ça rame un petit peu. Ouais, donc en fait, il m'ouvre Internet Explorer. Ah, GWE. Bon, bah là, on est mal barré. Parce que GWE, c'est un rogue. Voilà, donc lui, bah, il dit qu'il est tranquille, voilà. Et c'est contaminé, voilà. Voilà. Bah, et devinez qui vient? Le rogue de guerre, cool. Voilà, bon bah Prévix, pareil. Il a perdu. Enfin, là, il a perdu, hein. Voilà. Analysez votre PC. Bon bah je vais essayer de continuer. Au pire, je scannerai le PC avec Safe Online. Et bon, voilà. Non, lui il veut bien, il veut pas. Hein. Alors, il me dit XP Home Security 2012. Ah bah ça a changé. Alors hier c'était Internet Security. Alors, XP Home Security 2012 a bloqué un programme parce qu'il est accédé à Internet. Un Explorer est contaminé par un Trojan Keylogger. C'est cool. Ça n'existe pas. Hein. Je vous rassure. Hein. Il y a un Trojan Keylogger, ça n'existe pas. Private Data War Stolen. Un Explorer qui vole des données. Faut arrêter quand même. Voyez des cartes de crédit et password. LOL. Signé Microsoft Corporation. Hein. Windows vous recommande d'activer XP Home Security 2012. La bonne blague. Windows n'a pas d'antivirus, ça je vous rappelle. Cliquez Yes Activate pour enregistrer XP Home Security 2012.
Et supprimer la menace de votre système. Vous supprimez votre navigateur internet, attention, hein. Alors moi je fais yes parce que voilà, moi je me connais rien en informatique. Alors après il me dit si tu payes, t'auras tout ça. Et il protège même les chats et les réseaux sociaux. Bon bah moi je suis un noob, hein. Je fais pour chasse parce que c'est classe. Voilà. On se fait pas de bill, comme j'ai dit aujourd'hui, hein. Bon bah voilà, hein. Un an, 50, $59. Bon, toi, tu arrêterais de m'embêter, s'il te plaît. Merci. 2 ans, $70. La time, $80. Je vous rappelle que c'est un rogue. Il va vous mettre des prix alléchants pour vous étirer dans son piège. Voilà. Vous voulez donner votre carte Visa? Allez-y, je vous en prie. Hein. Voilà, entrez votre nom, etc. Filez votre carte bancaire. Voilà, bah, ici, c'est cool. Vous cliquez sur Secure Order et vous allez vous faire arnaquer à 100%. Parce que le gars, il va prélever de l'argent, enfin pas les $80 comme il a dit avant, mais plutôt des grosses sommes, voire vider votre compte et tous les mois, vous aurez des problèmes. Donc voilà, donc très, très faire attention avec les rogues. Pour pas avoir des rogues, il faut déjà avoir un système un jour et pas télécharger n'importe quoi. Voilà. Bon ben là, Prévix, pas content, hein. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de continuer, même si je sais que le méchant rogue va m'empêcher. Voilà. Bon, bah, là, j'ai la chance, un sport qui se lance. Non, tu veux pas? Ouais, alors, en fait, il a vraiment décidé de m'embêter, lui, hein. Continuez de s'en être protégé. Alors, un test pour eux, alerte! Yeah! Visiting source site My Security Threat. Google est contaminé? Je pense pas, hein. Moi, je voudrais continuer pour moi de protéger. Ouais, donc en fait, il fait pareil que guerre. Attention, vous êtes dans la merde. D'accord. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Non, tu veux pas? Pas envie, non? Bon, bah, moi, je continue, hein. J'ai pas envie de payer, je vous préviens. Ouais, donc là, le rogue a vraiment décidé de m'embêter. Je vais essayer de le fermer, voilà, c'est GWE, c'est classe. Hein. Pas WWE, c'est GWE. Pas pareil, c'est pas confondre avec le catch. Paf, le rogue, voilà, une raclée pour lui. Voilà, des fois l'antivirus c'est moi. Voilà, là maintenant je peux tester. Allez, on y va. 1.exe qui passe sans réaction. Hein. Le GWE qui revient. Tac, bye bye, parce que toi tu commençais à m'embêter. Donc en fait, il allait revenir faire, avec le rogue. Bon bah là, je vais y aller, essayer d'y aller rapidos. Parce que je sais que le rogue, c'est un malin, il va essayer de revenir à chaque fois. Et c'est rogue, très embêtant celui-là. Il circule depuis un petit temps. Bon bah ça, c'est un ADware qui va... Bon bah ouais, j'ai GWE en fait qui... À chaque fois que maintenant que je vais exécuter, GWE va revenir. Hein. Voilà, mais Wise Pop arrive quand même à s'installer. Sur la faille. Moi par contre, moi je vais terminer. Voilà, Wise Pop il est bien là. Hein. Bon bah là je suis sûr que là le PC il est compromis maintenant. Hein. Voilà, le Rock il revient en force. Hein. Pas tout, c'est moi la star, non pas toi. Voilà, Wise Pop qui arrive quand même à s'installer. Hein. GW encore, c'est le roi qui insiste bien. Moi par contre, je te veux pas. Voilà, lui, en fait, il a vraiment décidé de m'embêter. Hein. Hop, voilà. Bon, bah, je vais essayer de chercher Rock Killer. Je vais essayer d'y aller. Est-ce que je peux? Oui. Bon bah là je vais chercher Rock Killer, qui est un, comme son nom l'indique, un killer de rogue. Efficace. Édité par un membre qui s'appelle Tixi. Très connu. Enfin plus connu c'est Explode. Hein. Mais Tixi est aussi très connu. Hein. Est-ce que le rogue, non. D'accord. Le rogue essaye pas de revenir. Enfin, tant que j'accuse rien. Enfin, voilà.
Bon ben, je me rappelle le certain rogue, hein, comme par exemple System Security, qui tuait les antivirus. Si vous connaissez pas System Security, allez voir les tests. C'était quand même pas mal. Le gars qui killait tous les gens, c'était vraiment fun, j'étais toujours en train de rigoler. Non, c'est moi qui teste. Bon bah d'accord, donc en fait là, il dit que toutes les infections qu'il a détectées, et par contre il bloque pas l'accès. Enfin, normalement on n'a pas payé. Je vais essayer de lancer Rock Killer. Ouais, le rogue a vraiment essayé de m'embêter. Hein. Mais il se lance quand même, Rock Killer. Ouais, alors allez, GW est connu. Hein. Il a killé. Là maintenant, je vais faire la touche 2 parce que j'ai tout supprimé. Parce que comme ça, ben, le rogue va arrêter de m'embêter. Voilà. Il a killé GWE. Et GWE, normalement, il est détruit. Bon bah d'après lui il est détruit. Bon bah je peux continuer. Rock Killer a fait son boulot. Maintenant je continue. Bon bah je vais essayer de laisser un Explorer. Voilà, maintenant ça va mieux. Merci mon outil à moi qui m'a toujours servi. C'est mon outil préféré. Donc voilà. Maintenant grâce à lui je peux continuer. Voilà. Allez, on y va. Notre point exe. 7 kilos. Le fichier s'installe. Prévix le détecte, mais ne le supprime pas. Hein. Donc, il veut sa thune. Mais par contre, il le trouve. Ça m'énerve un peu. Allez, seulement 49 kilos. Alors, l'application. Ouais, d'accord, il s'installe. Et puis, par contre, il ne voit pas. CRSS est installé. Hein. Bon, bah, moi, je vais cligner les infections comme monsieur il me dit. Hein. Par contre, il voudra scanner. Ce que je vais faire, je vais laisser tourner. Je vais continuer avec les virus que j'ai. Bon bah même si je sais que pour l'instant le résultat n'est pas génial parce que le gars il supprime pas l'infection mais il le trouve mais il le supprime pas et ça par contre ça me chiffonne un peu donc voilà bon bah moi je continue hein. Même s'il faut pas donc là le machin passe hein, c'est un rogue. En parlant de rogue, je vais essayer un site rapidement. Je ne sais plus s'il fonctionne. C'est Advanced Virus Remover. Alors, je vais y aller rapidement. Donc, voilà. Je sais plus si c'est ça. Je sais que j'avais testé avec mon antivirus le détecte. Mon antivirus à moi. Alors, est-ce que c'est ça? Non, je ne crois pas. Disconnect. Avant mon service remover. Je ne sais plus si c'est ça, mais c'est un rogue que j'aime bien quand même. Bon, bah d'accord, c'est plus ça. Bon, bah, le site est mort. Tant pis. Bon, bah toi, qu'est-ce que tu dis, Prévix? Je trouve pas pour l'instant. C'est ballot, hein. Aucune infection trouvée. Ah, mais tu m'étonnes. Allez, win.exe, si je peux le prendre. Non, pas envie. On va explorer dans les choux un petit peu. Voilà, bye bye. Je lance encore une URL et après je termine. Je termine avec un bon fichier bien vérolé s'il passe. Et s'il passe le fichier que, pas la URL que je prends, mais sur un site, il cartonne le système. Il y a un bon. Qui rôtit de la mort. Je vous dis pas ça, mais vous découvrirez vous-même. Alors on attend. Bon, ça rame quand même parce qu'il y a Prévix qui travaille. Hein. Je vais demander de faire son scanner parce que je peux pas faire pause vidéo dans.
avec mon logiciel que j'utilise actuellement, qui est Fastone. Parce que notre ami Camtasia fait une usine à gaz chez moi. Donc je fais comme un du bas. Allez, on va cliquer le win.exe s'il veut bien. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucune réaction de lui, hein, le Safe Online. Le Safe Online sert à rien. Enfin, ici, oui. Parce qu'en fait, il ne bloque aucun fichier, aucun téléchargement. En fait, voilà. C'est l'AV qui bosse, mais l'AV, ouais, il ne supprime pas l'affect. Mais il la trouve. Donc, voilà. Bon, bah, comme on s'en doute, bah, le fichier va s'installer dans l'ordinateur, hein, ça change pas. Le PC est bien en train de ramer. Bah, voilà. Il y a des potes en mémoire, hein. Il y a les CM2 qui travaillent là, hein. Et j'ai un faux Explorer. J'ai un cheval de 3 qui est en train de manipuler l'Explorer. Alors j'ai le 3, donc ça fait 1, j'ai mis 2, 3, 4, 5, 6 infections. Lui, CMD Explorer, parce que j'ai qu'un seul Explorer. Et lui, je pense qu'il est manipulé par un cheval de 3 actif. Soit le CRSS ou soit le 3.exe. Donc voilà. Je vais terminer avec ce site-là, qui est super dangereux. Si ça veut bien écrire. Ça aussi, ça m'énerve. Non, mais j'ai pas écrit ça. J'ai mis un R ici. Surtout, n'y allez jamais dessus. C'est un site qui regorge des virus à la demande. Bah oui, il y a la vidéo à la demande, donc la VOD, maintenant c'est les virus à la demande. N'allez jamais dessus. Je vous le déconseille fortement. N'y allez pas. N'essayez même pas de copier ce que je fais. Vous allez vous faire contaminer à vitesse grand V. Enfin, si vous n'avez pas de sécurité déjà, vous allez vous faire contaminer. Donc, moi, je vous dis un conseil. Ne faites pas comme nous, comme moi, comme Admandou ou comme Pegors ou Vigun. Déjà, si vous n'en connaissez pas en informatique. Donc, voilà. Enfin, moi, je vous les conseille fortement. Même si vous me demandez des virus ou des URL du jour, je vous en donnerai pas. Je suis pas un distributeur de virus. Les URL du jour, je les ai trouvés moi-même. Donc, je vous conseille juste de faire votre requête. Voilà. Enfin, voilà. Parce que je dis ça, parce que la dernière fois sur Infomars, on me l'avait demandé. Hein. Donc voilà. Donc je clique sur Download parce que voilà, moi je ne fais pas de build. Hein. Je vous l'ai dit en plus au début de la vidéo. Le jeudi, on ne se fait pas de build. On télécharge ce qu'on veut. Ouais, parce que c'est cool. Pour une fois qu'on peut se faire plaisir. Oh, un point zip. Ah zut. C'est un point zip. Bon bah tant pis, je téléchargerai. Logiciel de décompression. Parce que je l'ai pas installé. J'ai oublié que c'est un point exe. Bon ben voilà, nous tape la honte en direct. Cool. Bon bah je vais le télécharger rapidement sous vos yeux. Enfin, on va essayer. Alors donc l'utilitaire c'est cette zip. Je change pas mes habitudes. Enfin voilà. Alors, je vous ai pas encore dit au début de la vidéo pourquoi je le teste Prévix. Déjà, parce que ben, sur certains sites, quand on trouve des virus Prévix, chaque fois ils disent que c'est les meilleurs. Bon, bah ben, voilà, si, bon, ben, c'est le marketing. Déjà, bon, ben, j'avais envie. Parce que sur Listotage, chaque fois je le vois. Et voilà. Et voilà. Voilà. Bah moi je download sur cette zip. Bon bah ils vont donner sur SourceForge parce que voilà avec tous les logiciels libres ça va sur SourceForge. Moi bon, j'aurai juste que Monsieur Prévix a terminé son truc. Bon bah ça rame parce que j'ai Prévix qui fait son scan. Voilà, il y a eu tous les trucs qu'il a trouvé. Ah oh.
a tout trouvé. Il les a tous trouvés. Analyser nouveau mon PC. Je ne peux pas supprimer l'infection. Moi, par contre, je pourrais que ce serait supprimer l'infection. Voir les options. Ouais, je veux bien. Moi, par contre, moi, je suis pas content. Hein. Moi, je vous le dis, je suis pas content. Parce que, voilà, en fait. Hein. Si le produit détecte, on peut pas supprimer l'infection. Je trouve ça quand même très très fort quand même. Hein. Je trouve ça vraiment très vache. On peut pas tester le programme. Enfin, moi par contre, je suis pas très content. Enfin, voilà, c'est mon avis. Hein. Et moi, je suis pas content. Donc, bah voilà. Bon bah cette fois-là le machin enfin, elle a trouvé des infections, c'est cool. Oups. Oh zut. Clean infection now, upgrade au clean white Privix 3. Donc en gros s'il me dit oui mais à monsieur Manzai, si vous voulez cleaner votre machin, migrez sur Privix 3. Voilà. En gros c'est ça. Hein. Bon là je télécharge le saisis pendant que je racontais mon truc. Moi par contre je suis pas content là. Hein. Même si monsieur je te détecte, l'infection elle reste quand même en mémoire. Parce que monsieur la supprime pas. Parce qu'il faut de la thune. Moi par contre ce genre de marketing m'intéresse, ça m'intrigue en fait. C'est ça en fait qui m'énerve. Voilà, file ta thune. Ben moi par contre moi je la file pas hein. Enfin voilà après vous faites vos propres jugements comme tout test hein. C'est vous qui décidez. Moi perso ben moi je le recommanderais pas encore tant que la version d'essai est très limitée je la déconseillerais enfin après c'est votre propre choix. Moi par contre je suis pas content. Allez, pour le fun, je lance un cheval de taré. Lui, c'est un cheval de taré, lui. S'il passe, votre PC est mort. Enfin, il va bien bosser. Là ça bosse, donc là j'ai encore les chevaux qui devaient travailler. Qu'est-ce qui travaille? Ouais, c'est le CRSS. Donc c'est lui en fait, il est en train de bien. Allez, toi, bye bye. C'est l'ordinateur. Voilà, donc là, ça se dégage un petit peu. Bon, bah, j'ai demandé mon extracteur là. Bon, bah, allez, tu viens, non? Bon, bah, c'est mignon. Il y a tout plein de cheval. Bon, c'est tous des chevaux, hein. Si vous allez à 3, prenez pas les chevaux. Non, c'est pas bien. Pas bien. Au moins, je suis un fou, j'extrais tout. Hein. Voilà. Bon, bah, moi, je démarre. Bon, bah, la bombe, parce que c'est classe. Voilà. Bon, bah, je peux pas, d'accord. Il cherche alcool.exe. Il n'y a pas d'alcool ici. Avec patch parce que c'est classe. D'accord. Un pack. Ouais, bon, on détruit tout. D'accord. Un point à battre. Voilà, il veut pas. Et par contre, Previx le reconnaît pas. Hein. En gros, en fait, ça patch le logiciel. Voilà. Il a fait ce qu'il voulait. Voilà. Bon bah moi personnellement je donnerais pas de bonne note à Prévix hein. Parce que déjà bah, il demande de la thune pour supprimer l'infection. Moi personnellement ce marketing ne me plaît pas. Après c'est vous qui voyez. Même s'il était super bien parce qu'en fait il a réussi à me les trouver. Donc là, il n'y a pas de problème, il détecte.
Par contre, la suppression, c'est pas bon. Parce qu'il veut payer. Bon ben, je mettrai pas de note. Enfin, je mettrai pas de note. Hein. Je mettrai pas de note. Enfin, je verrai. Bon ben, je vous souhaite déjà une bonne soirée. De bonnes fêtes. Donc, j'ai fait un montage ce matin que je vous conseille de voir sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!